finger. Ooh, I gotta call my friend. Wait a minute, what I say I gotta do again? Minute to minute, I feel like I'm in the movie Momentum, but I don't have a pen. Yo, c'est Super Banane et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc je préfère le dire d'avant, je vais la proposer à Code QG comme c'est quelque chose d'assez important et je pense que c'est dans les premiers à faire à l'avoir fait. C'est le solo de la map Exo Zombie en solo, pardon. Le secret de la map Exo Zombie en solo, ouais, c'est ça, pardon. Donc ça consiste en fait, c'est pareil avec les mêmes étapes qu'en multi, en multi, sauf qu'il y a 2-3 trucs qui changent. Donc je vais vous les expliquer au cours de cette vidéo. Donc voilà. C'est parti pour la première étape. Donc pour cette première étape, il faut que vous trouviez cette boîte noire qui est au spawn. Donc derrière le Warbird qui est cassé. Donc vous approchez, vous appuyez sur X ou carré sur PS3 quand la map sera sortie et vous pouvez la récupérer. Ensuite, cette petite boîte noire, il faut la poser à la morgue qui est... donc c'est la chauffeur, il y a 2 portes à ouvrir pour arriver à cet endroit là. Donc vous l'ouvrez, vous allez ici, donc voilà, je vais tuer les zombies, voilà exactement. Et je vais poser la boîte noire, écoutez le dialogue. Il faut que je trouve des munitions. Un badge de sécurité avec autorisation pour. Je crois qu'il va falloir améliorer les autorisations de nos 4 badges pour contourner le cryptage. Pour ça, il faut déjà les trouver. Il n'y a plus de cours. Ok, donc comme on a dit, il faut 4 badges. Donc les 4 badges, c'est les de nos 4 acteurs là, nos 4 joueurs. Donc il y en a 4 dans la map qui est disséminée. Il faut faire des petites étapes pour les avoir. Donc on va commencer le premier, c'est il faut que vous ayez acheté Exo Écrasement. Donc qui est dans la petite pièce ronde là à côté de la boîte. Vous achetez Exo Écrasement et vous allez en direction de Mastodonte. Enfin Mastodonte. Exo Santé, mais j'appelle ça Mastodonte toujours. Voilà, dans cette pièce, il y aura donc le mastodon, enfin l'exo santé, et il y a un petit levier au milieu des petites boîtes de verre, là, par terre. Donc vous le tirez dessus, au bout d'un moment, il va tomber. Normalement, il va tomber maintenant. Voilà, non, encore. Ah, voilà, il est tombé. Donc maintenant, vous grimpez sur les boîtes, là, sur celle-ci exactement, et vous slamez, enfin vous écrasez la boîte du milieu. Donc celle d'à côté va monter, et la carte sera dedans. Appuyez sur X pour la récupérer, ou carré sur PS3 et PS4 quand elle sera sortie la main. Ensuite, il vous faut une main dans la boîte pour la prochaine étape. Donc prenez une main, voilà, ici, je la déverrouille, je la prends. Donc une fois que vous l'avez, vous passez la manche, blablabla, et vous faites un peu d'argent, il faut que vous ayez 1000 points au minimum. Donc là, j'en ai 420, c'était pas suffisant. La manche terminée, vous allez ici, donc vous allez à la boîte, chercher, enfin la boîte, c'est égal où elle est, hein, ça on s'en fout. Donc vous tirez sur le truc, en même temps que vous tirez, vous appuyez sur X. C'est une petite manip, mais voilà, vous n'aurez pas une boîte, pas une arme, mais la carte de Rose McGowan. Étape suivante, pardon, c'est donc prenant la manche désinfectée, il faut que vous ayez vous infectiez et que vous appuyez sur 4 petits boutons qui sont là. Hein. Il y a le deuxième qui est ici, le troisième à droite, le quatrième en haut. Donc le drone d'assaut ou bien le camouflage, c'est vraiment utile pendant cette étape. Donc à vous de voir comment vous faites. Enfin bref, voilà, ici les 4 boutons et ensuite vous désinfectez histoire de survivre parce que ce serait comme mourir maintenant. Ensuite, après la carte sera dans le guichet ici à gauche, vous appuyez sur X pour la récupérer. C'est la même chose tout le temps partout. Donc vous faut terminer la manche là, normal, tranquille. Joli spectacle. Plus un seul envie. Voilà, une fois la manche terminée, vous pouvez aller faire la dernière étape, enfin la dernière étape pour les cartes, c'est d'aller dans l'incinérateur en solo. On peut y aller effectivement. Donc vous ouvrez une trappe, hop. Vous allez dans la deuxième du vide ordure rapidement, hop, et normalement vous arrivez dans l'incinérateur, excusez-moi, oui c'est ça, incinérateur. Et là vous tirez partout, au sol, partout, souvent du côté gauche, donc où je tire actuellement, mais des fois elle est aussi à droite, on est trouvé en multi, elle était ici, donc en solo en tout cas je l'ai fait ici, enfin bref, elle est là, donc au moment où vous la verrez voler exactement comme ça, faites bien attention aux détails, et vous appuyez sur X pour la récupérer, c'est la même chose tout le temps partout.
Voilà, ensuite vous avez des petites cartes à récupérer, donc vous tuez des zombies, beaucoup de zombies, et vous récupérez ces petites cartes qui lâcheront en tombant, donc vous avez juste à passer dessus et vous les récupérez. Il en faut 45 au total pour que votre badge arrive au niveau 49, donc vous le voyez en bas le chiffre, regardez là il est à 4, 5, 6, 7, voilà exactement. Et ainsi de suite jusqu'au niveau 49, donc ça fait pas mal de zombies c'est clair, mais ça vaut le coup, vous verrez à la fin votre petit succès à 50G, c'est toujours ça. Ok, dès que vous en avez 49, il faut que vous alliez en direction de la morgue, donc vers les PC où on était avant, et vous appuyez sur X. Ok, donc l'utilisateur ne s'est pas logué ce matin, donc il faut que vous logiez, vous connectiez. Donc il y a 4 petits boîtiers dans la map, il y en a un là, un deuxième dans la salle de l'exo, dans la salle des exos exactement, ici en face du crédit. Le troisième, il est du côté de Mastodonte, enfin de Exosanté, j'ai le don de dire Mastodonte, enfin bref, Exosanté qui est là à gauche. Et le dernier, il est dans la salle de l'améliorateur d'armes, du spawn, comme il y en a deux. Donc il est juste ici, hop. Et vous appuyez sur X devant. Peu importe lequel en solo, ça fonctionnera. Une fois ceci fait, il faut que vous alliez dans la salle des exos pour la prochaine étape, donc c'est la toute dernière. Mais avant, je vais vous montrer un petit truc, c'est qu'on n'a pas besoin d'activer les 4 en solo, juste un suffit. Voilà, regardez, on peut pas, j'essaye, ça marche pas. Donc on va prendre appuyer sur X devant le truc. Si vous avez l'autorisation qui permet d'entendre ce message, alors le test a réussi. Vous avez 24 heures pour rejoindre le point de rendez-vous et entamer la phase 2. Ok, donc l'alimentation a été rétablie dans la salle des exos, elle a dit la dame. Donc, attendez, il y a de l'argent, je le prends. Il y a dans la salle des exos, donc il faut aller vers un exosquelette, monsieur l'avait déjà, et appuyer sur X. Voilà, donc là vous avez fini votre secret, donc il y a un améliorateur d'armes qui permet d'aller jusqu'à 25, mais il faut une arme niveau 20, donc vous pouvez aller jusqu'au niveau 25. Ensuite vous allez vous rusher pour avoir le succès, vous rusher, vous allez au spawn, pardon, sur le bus, enfin c'est là où on va, donc sur le bus, mais je sais pas s'il y a besoin d'aller au spawn ou pas, mais bref, on y va, comme ça il y a une petite cinématique qui se fera, enfin une petite cinématique, un petit quelque chose. Donc je vais tout de suite vous laisser, donc je laisse la petite musique et je vous laisse ça découvrir tout de suite qu'est-ce qui se passe. Attention au spoil. Et effectivement, vous avez une sacrée vie de merde, comme on pourrait dire. Votre Warbird qui était censé venir vous chercher, il s'est détruit, il s'est pris un collier orbital de Atlas. Donc normalement il y a du crédit, moi j'ai toujours eu du crédit, peut-être qu'il y a autre chose, j'ai toujours eu 1000$ dedans. Enfin bref, voilà, donc votre secret est déverrouillé, vous avez le succès des 50G, moi je l'ai déjà fini, donc j'ai pas eu le succès, car je l'avais fait un petit jour en live stream pour ceux qui s'intéressent sur ma chaîne Twitch. Donc voilà, tout votre secret est réalisé, maintenant vous pouvez continuer à jouer, faire des grosses manches ou n'importe quoi, c'est égal, ou arrêter la partie comme vous le voulez, ça vous apportera rien de plus si ce n'est une arme niveau 25 ou plus si vous allez dans la salle des exos. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je pense que c'est une exclu à faire actuellement de le faire en solo, car j'en ai pas vu aux États-Unis, même pas non plus, j'ai regardé un petit peu. Enfin bref, voilà, donc j'ai fini la partie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, bisous, ciao.